Mais c'est comment cela a été? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du Marrakech, c'est ça. C'est comment? Bon, il faisait vidéo parler d'un sujet qui est très important, là, un sujet sur le racisme en Occident. On va dire que comment éduquer son enfant. Je préviens à tous que c'est mon avis. Donc vous prenez ça comme vous voulez. Je donne mon avis, je sais parce que mon avis n'a pas choqué cette terre. C'est toi, non, non, non. C'est l'avis du Warman. Et moi, je donne l'avis de quelqu'un qui a fait des années en Occident et qui connaît la rue et qui connaît aussi ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix partout. D'abord, je dis ça pourquoi? Parce que d'abord, tous les Occidentaux ne sont pas racistes. Tous les Arabes ne sont pas racistes. Tous les Chinois ne sont pas racistes. Tous les Pakistanais, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des comportements qui poussent certains de ces communautés à être racistes envers vous pour vous rabaisser. Pour nous qui avons des enfants ici en Occident, il faut être très, très, très intelligent. Il faut être très précis avec les enfants. Les enfants camerounais qui vivent dans les pays occidentaux, il y a des lois et tout ça. Mais il y a aussi la réalité dans les écoles, dans les universités, au football, à la piscine, que si vous n'êtes pas prêt à donner à votre enfant les armes dans lesquelles il va se battre, il va être encaissé, il est foutu. On a des enfants, j'ai écouté enfin des enfants, des garçons qui se sont suicidés aux États-Unis, les petites filles qui refusent qu'elles ont pas, enfin qui se croyaient être noires, après elles deviennent, on dit qu'elles sont noires, elles pleurent. Bref, tout cela est dû à quoi? À certains Africains qui éduquent les enfants comme s'ils étaient des Européens. Certains Africains qui pensent que le monde c'est le bisounou. Oh ma fille, ça va ma fille? Oh Kevin, ça va? Oh tu es européenne. Un jour quand on dit tu es noire, elle panique. Si vos parents, vous n'éduquez pas vos enfants comme des noirs, je répète en français. Chaque peuple éduque ses enfants. Vous voyez les Arabes, ils éduquent les enfants comme des Arabes. Vous voyez les Chinois comme des Chinois. Vous, les Noirs, éduquez vos enfants comme des Noirs. Vos enfants doivent savoir qu'ils sont dans un monde qui n'est pas facile. Même s'il y a des lois, il y a du racisme qui existe. Ils doivent travailler plus. Ils doivent être plus intelligents, plus forts. 4 fois, 5 fois pour pouvoir s'intégrer. Et dans la rue, ils vont encaisser les paroles. Un jour, le fils de Waman est rentré. Il a dit, papa, je suis passé dans la rue. Il y a un monsieur qui a garé la voiture qui a dit, sale noir ou quoi, c'est sale nègre, retourne chez toi. Un enfant de 10 ans, non moins de 10 ans. Le fils a dit ça, mais il n'était pas choqué, il m'a seulement dit ça parce que je l'ai préparé, que mon fils, tu es noir, tu es africain, tu es camerounais, et j'ai même ajouté, tu es ngrafi, bamileke, bami, oba zengate, oba tachamzin. L'enfant doit savoir la structure de son origine, l'enfant doit savoir qui est de ce qui vient, qu'est-ce qu'il est, pour affronter les propos racistes. Imaginez si cet enfant n'était pas préparé par son père. Que tu es noir, tu es parce qu'il devait être choqué. On a des enfants qui disent, mais c'est noir, j'ai quoi? Parce que dans sa tête, les parents les ont éduqués à l'occidental. Les parents camerounais, surtout les femmes, elles éduquent les enfants. Oh, mais tu sais, oh, mais... elles wattisent tellement l'enfant. Un moment, on croit qu'il est blanc. Un jour, on lui dit, tu es noir, il choque. Les petites filles, vous devez les apprendre tout petit qu'elles sont des enfants noirs. Vous devez acheter des poupées noires. Avant, il y avait aujourd'hui des poupées noires. Donnez les identifiants des poupées noires. Faites-les jouer des jeux de filles. Faites les garçons jouer les jeux de garçons. C'est très important de dissocier cela. Je vous le dis parce que c'est qu'on vit dans un monde où il y a le work, il y a tout cela. Le garçon joue avec des jeux de garçons. La fille joue avec des jeux de filles. N'écoutez pas la propagande. Nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous ne sommes pas des Chinois. Nous ne sommes pas des Pakistanais. Nous sommes des Noirs africains et Camerounais. Je vous dis, vous les Camerounais. Le garçon joue avec les jeux de garçons, la fille avec les jeux de filles. Et les poupées noires, le garçon s'identifie comme un mâle. Faites cela et dites-lui toujours qu'il est noir. Comme ça, les propos de noirs, des nègres, des singes, ils ne sont pas choqués. Moi, je n'ai pas grandi dans la victimisation. C'est pour ça qu'en Europe, je n'ai pas peur. Quand on m'insulte, ou certains blancs m'insultent, certains arabes m'insultent, je m'en tape complètement. J'ai une conscience, j'ai une pensée, j'ai un pays, j'ai une origine, j'ai une culture, donc je m'en tape de ce qu'il dit. Il ne peut pas me déstabiliser. C'est la même chose avec les enfants. Si vous élevez l'enfant en lui disant, tu as beau être né en Europe, tu es noir, tu es africain, tu as une culture, tu viens de. L'enfant grandit en étant fier. Donc on le lance, ça noie, ça nègre, il rigole, il s'en fout. Et tu lui dis toujours, dès qu'on te gifle, tu regardes à quoi s'il y a moyen, tu remets un coup, deux coups. Si la maîtresse appelle le papa, je viens à l'école, je dis, c'est moi qui ai dit à mon fils de se défendre. Devant la mère, j'ai dit ça, j'ai pas peur de dire ça. À l'école, j'ai dit, c'est moi qui ai dit à mon fils de se défendre. Si vous ne protégez pas mon fils ou ma fille, elle doit répondre par le coup de poing. C'est normal, on n'est pas venu voir, ça pas le voir bébé ici. Vous avez compris? Donc je m'arrête ça, mais c'est vous les mamans. N'oubliez pas que l'école a 80% du temps, en général, de la journée avec l'enfant. Donc, ils ont le pouvoir de propagande. Vous, les parents, vous, à la maison, vous devez profiter de ces petits temps, avant qu'ils dorment, de pousser votre niveau de culture, votre niveau de stabilité, votre niveau de fierté pour que ça équilibre. Sinon, vos enfants grandiront en Occident avec, en croyant qu'ils sont des Européens, en wattisant, ou certains qui vont grandir dans les banlieues, comme on voit, wesh, wesh, en se prenant pour des Arabes. On voit certains noirs qui ne se prennent pour des Arabes. Résultat, ils ne sont ni noirs, ni blancs, ni arabes. Ils sont perdus. Faites très attention. Nous ne sommes pas des Blancs, nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des Chinois, nous sommes des Noirs. Et cette culture a été forte. Le racisme, c'est touche les faibles qui ne sont pas préparés. Si tu es fort,
Tu t'attends. Moi, quand je marche en Russie, quand je me suis des nègres, je ne le vois pas. Je le chie dessus. Il n'est rien. Je suis Camerounais. Je suis Ngrafi. Je suis Ouarman. Dans mon bataille, ce n'est pas le problème. Chacun sa culture, chacun sa vision. Je ne m'identifie à aucune culture. Je ne m'identifie à aucun peuple, aucune croyance. J'ai ma propre croyance, ma propre vision. Je ne me soumets pas. C'est la seule manière dans ce monde où on entend les Noirs chialer. Les Noirs, vous n'êtes pas des victimes mille ans. Nous ne sommes pas des victimes. Apprenez à être fiers. Le problème de beaucoup de Noirs, c'est parce qu'ils se soumettent. Et les enfants aussi deviennent déstabilisés. Ils émettent les autres langues. Ils se couchent. Résultat, ils se suicident quand on les crie des Noirs. Éduquez vos enfants, mesdames, les papas. Soyez prêts. Comme on dit chez nous, chaque fois les Camerounais, on entend même certaines femmes, moins de petits cris de racisme. Ouais, le monde a changé. Vous insultez un enfant. La vie, c'est la jungle. On insulte un enfant pour le déstabiliser. Même à l'école, ils sont très méchants entre eux. Si l'enfant n'est pas fort, quand mon fils parle à l'école, on l'attaque, il est prêt à bagarrer, il est prêt à cham. Et si on m'appelle à l'école, je viens dire à la maîtresse, au professeur, c'est moi qui ai dit à mon fils d'apprendre à se battre. C'est moi qui ai dit à mon fils qu'ils sont les suites des nègres, il ne répond pas les coups de poing s'il le faut. Si vous voulez le renvoyer, je suis à l'école. Vous devez le protéger, vous ne le protégez pas, c'est les coups de poing. C'est comme ça. Je ne me cache même pas. Si on veut renvoyer mon enfant, je ne peux pas laisser mon enfant ce qu'il aime parce que c'est le bébé. Non, en tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez dire que je suis agressif, mais c'est votre problème. Les mots dans cette jungle vont devenir fiers. On va vous écraser. Mais si vous élevez des enfants, les petites filles fortes, ta petite fille grandit en étant fière. Ma fille, tu es une Camerounaise, tu es une femme noire, tu as des valeurs, tu as une culture. Même si tu es une négresse, n'aie pas peur, ma fille. Regardez dans les yeux, dis-le. Tu as un fils, où je n'en. N'aie pas peur. Avance. Mon fils, marche à nous comme un homme. Un te donne un coup, tu remets par deux coups de poing. Nassau. Avant de parler de justice, avant de parler de tout, il faut être fier. C'est mon avis. Maintenant, si vous trouvez que je suis agressif, vous allez chialer. Vous êtes des victimes. Moi, je ne suis pas une victime. Non, malgré ma situation, malgré mon niveau économique, je suis un homme sûr de moi. Je suis un homme qui vit comme tout le monde. Je respecte les autres, je ne me respecte pas. Je te chie à la gueule. C'était Waman, en tout cas.